Merci, hein. Merci vraiment d'être venu. Ouais, ouais. Non, mais ouais, donc du coup, c'est qui ce petit jeune prometteur et tout? Enfin, il a vraiment ça de l'espoir. Ça s'appelle Torque. Franchement, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose avec lui, mais pour l'instant, il a juste du mal à prendre conscience un petit peu de ses erreurs. Tu sais, il prend pas le recul nécessaire pour se remettre en question, pour évoluer. En fait, il a ce blocage. Ouais, mais il est jeune, non? Il a quel âge? Enfin, ouais, c'est un petit jeune. Sorti du collège Saint-Martin, 5e B, ouais, il n'aime pas la majorité encore. C'est vraiment jeune. C'est un espoir. Ah, ok, ok. Ah, mais après, il est vraiment très très fan de toi, je préfère te le dire. Ouais, bah je vois la Fiddlestick et tout. C'est ouais, bien. Il a bien joué ou pas? J'ai pas trop vu. Bah, c'était correct en soi, mais comme je t'ai dit, pour moi, en fait, il est dans un rôle où il fait sa game, mais il veut pas la carry en fait. Il est pas dans ce rôle où je dois tout faire pour carry. Il est en mode, c'est chacun sa responsabilité, ouais, et chacun si sa erreur, c'est leur problème. Alors qu'il pense pas que c'est sa game, c'est ses points en fait. Les gens, il les reverra plus. Le but, c'est que lui, il monte en diamant. Et que les argents, bah, ils partent plus de temps avec eux. Fout, et donc, tu vois, il a encore ce problème d'ego. Et là, il est où, là, en fait? Là, il est parti prendre une pause. Je lui ai pas dit que t'étais là. Hein. Je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un, tout ça. Je voulais pas vraiment. Ah ouais, mais du coup, il va. Ouais, ok. Et okay, donc, okay. Bah, tu veux que j'aille le chercher? Bah, vas-y, ouais, non, fais comme tu veux. Enfin, moi, je sais pas. Moi, on m'a dit, ouais, viens là, il y a un gars. Mais essaye d'être plutôt. Franchement, en ce moment, il a passé un moment difficile. Essaye d'être vraiment avenant vers lui. Ouais, t'inquiète. De le comprendre et voilà. Ouais, enfin après le comprendre, c'est pas facile hein, parce que là jouer avec Fiddle 7-10, ouais. Je vais chercher. Ça roule. Bon, du coup, le stream, hein, moi on m'a dit viens là, etc. Je sais pas c'est quoi. J'ai pas trop suivi les games, je sais même pas qui c'est en fait. Oh, Larkus! Oh, bonjour! Ouais, bonjour. Oh, Larkus! Ah, ouais. Je suis un grand fan! Ouais, non, mais j'ai vu Fiddle et tout, c'est bien. Ah, je vous regarde tous les soirs avec les Millennium Spirit. Ouais. Ah, je suis un très grand. Ah, est-ce qu'on va faire une photo ensemble, s'il vous plaît? Attendez. On va faire une photo? Tu veux la mettre sur Twitter aussi après? Je vais tweeter après. Non? Ah, je vais tweeter. Ah, non, pourquoi il reste derrière lui là? C'est ton coach. Narcus. C'est notre coach aussi. Ah, je suis un très grand fan, Narcus. Ouais. Alors, est-ce que je pourrais avoir un autographe, s'il vous plaît? Sur les fesses, s'il vous plaît. Peut-être pas sur les fesses. Attendez. Je vais appeler un ami pour dire que je suis avec vous parce que. Oh. Tu vas appeler qui? Attends. Ouais, là, Simon. Ouais, t'as Karim. Ouais, ah ouais. Hé, tu diras jamais qui je suis. Ouais. Non, pas lui. Non, pas Squeezie. Non, pas Scar Tejeria. Non, mieux. Non, moins bien que Cyprien, moins bien. Non, moins bien que Shones, et Yam Sofresh. Moins bien. Non, c'est Larkus. De quoi? Moins bien de. J'ai pas entendu. Moins bien que qui? Attendez. Il va y avoir des petits. moins bien que qui? J'ai que Tarkus. Je te ramène l'autographe, t'inquiète. Oui, voilà. Ouais, moins bien que. je retiens. Ça note, je retiens. Ok. Et du coup, vous avez vu, j'ai joué. Ouais, 7-10, monter les corbeaux en deuxième, je crois. Non, j'ai monté les corbeaux en premier, moi. Oui, non, mais après, genre, il y a eu. J'ai monté Drain en 3 et après les corbeaux en deuxième en fait. Ouais. Et lui, il voulait que le fier, lui. Ouais, mais c'était le fier, ouais. Ah bon? Vous êtes sûr? Oui. Parce que je regardais votre stream et je vous ai regardé sur Lord King aussi. Ah ouais? Non, mais en fait, vous faites n'importe quoi en fait. Pourquoi? Non? Mais vous avez monté quoi, les corbeaux en deuxième? On a monté les corbeaux en deuxième, ouais. Ouais. Et comme c'est marqué sur votre guide, Final Six. Mais pas du tout. Il y a marqué guide. Ah oui, non, mais au level 2, mais après, moi, je te parle au level 5, 6, 7, tu vois. Faut monter le fier en deuxième. Ah bon? Maxer le drain, après maxer le fier. Quoi. Ah d'accord. Et du coup, le corbeau, ça fait des dégâts aussi. Ouais. D'accord. Ok. En tout cas, j'aime beaucoup votre nouveau look. Je sais. Mais je vois que vous copiez un peu. Hein. Est-ce que je pourrais essayer votre chapeau? Allez. S'il vous plaît. Ah si, oh merci. Mais avec les casques, ça va pas marcher. Oh là là. Attendez, je vais une photo. Attendez. Ça va aller, les photos. Mais vous avez pas une émission à faire avec votre coach, etc.? Parce que moi, je dois parler avec les M-Spirit. Attends, vous voulez pas faire une game avec moi, coach? Venez avec moi. Regardez. Oh là là. Attends, je l'enverrai à Karim, celle-là. Ouais. Oh, ouais, super, merci beaucoup. C'est mes amis avec qui on monte une team en ce moment. Oui, je me doute bien. Vous pensez que, comme j'ai entendu dire que vous avez bientôt viré votre botline chez les Millennium Spirit? Je pense qu'il y a une place, ouais, il y a des places à prendre. Mais c'est pour ça, hein, je demandais à Dugby avant. Parce que j'ai une très bonne jinx. Où t'en es? Ouais. J'ai entendu parler de ta Irelia, vraiment bien. Ma Irelia, oui, mais après, Gobs, c'est quand même un sacré joueur. Ah, c'est un il est grand par la taille et par le talent. Ah bah c'est un sacré joueur. Hein. Oui. Je depuis très longtemps, je suis un très grand fan. Tout à l'heure, j'ai croisé aussi un. Ah, j'ai croisé Zéphimir dans les locaux. Oh, un homme extraordinaire, hein, ça. Je peux comprendre pourquoi on l'a plus sur la TV. Parce que je regardais les Aïe Fidelia à l'époque. Hein, j'ai tout appris grâce à lui. Ouais, non mais. En tout cas, votre chaîne YouTube aussi. Ouais. Ok. Par contre, il est quelle heure? Parce qu'il y a l'équipe qui m'appelle vraiment. No fake. Ah, mais attendez, parce que vous voulez peut-être qu'on va partir ensemble, non?
Mais y a, je veux pas prendre la place de votre coach quand même. Ah, mais non, mais est-ce que. C'est, j'ai toujours voulu faire une. Ouais, mais non, que, mais je me doute bien. Est-ce que vous pouvez me follow sur Twitter, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez me follow sur Twitter, s'il vous plaît? Hein? Est-ce que vous pourriez me follow sur Twitter? En fait, j'ai pas Twitter. J'ai plus les logs de mon compte. Ouais. Ah, vous avez pas Twitter. Il va falloir qu'il y aille. Oui, parce qu'il y a. Je travaille sur le jeu. J'ai plus mon compte en fait, j'ai okay. perdu mon compte et j'ai plus rien en fait. Ouais, okay. Pas de problème, ouais. Merci beaucoup. Un peu chelou, mais ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Bonne chance. Merci. On va manger après. On va manger après. Toi, faut à l'entraînement, toi. Ah, ok, oui, c'est vrai. C'est l'entraînement. Merci en tout cas, Narcus, grand plaisir de le retrouver. Comment, qu'est-ce que ça t'a fait oh, du bien ou pas? C'était Narcus! C'était Narcus! Oh là là! Toi, ah, tu pouvais pas faire plus plaisir! Ah, moi, c'est vrai? Ah, I'm so fresh, ça aurait été mieux, mais. Oh, non, mais il est très très fort, Narcus. Il fait partie des meilleurs. Ah, je suis. Alors, comment tu te sens maintenant? T'es reboosté? T'es remotivé? Je suis content là. Ah, ouais, je suis très content. T'as envie de monter? T'as envie d'être dans ces games à lui? Tu peux le faire, hein? Il faut monter diamant! Il faut monter master! Ah, il est fort! Il est fort, mais tu peux aussi le devenir! Ouais, tu peux le devenir. Moustache en plus. C'est ce qui lui donne le pouvoir en ce moment. Ah bah ça, oui, c'est ce qui fait la différence en ce moment. Ah, nous sommes d'accord. Oh là là, mais quel homme. Qu'est-ce qu'on fait la coach? Parce que je sais que vous devez partir à 21h. Vous, ça. Ouais, moi ce que je te propose, j'ai envie de t'entraîner dans un autre style de jeu là. D'accord. Je veux que tu fasses un 1v1 contre un spectateur. Un 1v1 contre un spectateur? Ouais. Je veux juste te voir dans ce cadre de jeu, comment tu te débrouilles. Je pense que tu peux relever le défi. Ok? D'accord, mais c'est... Ouais, okay. Passe en in-game. Alors, tranquillement. Comment je fais ça? Alors, crée une partie, le spectateur va te rejoindre. Alors, tu fais créer partie. Ok. Tu mets faille de l'invocateur. Tu marques. Ouais, tu marques no pain, no gain dans le nom de la partie. Ouais, voilà. No pain, no gain. No pain. No gain. No gain, comme ça. Tu mets taille de l'équipe, tu mets 1. Non, c'est no pain, no gain. Tu mets 1 en taille de l'équipe. Autorisé, tu t'en fous. Et mot de passe, tu marques le nom d'un champion. Comme tu veux, n'importe lequel. Tu le dis pas à voix haute, tu marques juste le nom d'un champion de League of Legends. Sans faire de faute d'orthographe. Donc prends un champion simple au pire. Fais vite, hein. Il y a 118 champions, faut juste que t'en trouves un. Non, mais ils cherchent pas de compliqué. Je vais les brain. Putain, pourquoi il y a aucun jeu là? Il y a juste le but, c'est de trouver un spectateur. Je vais gagner. Il y a aucun qui trouvera le perso. Ah, j'en ai un peu marre. Allez, faut qu'on soit réactif là. Non, pas de perdre. Mais c'est le problème. Attends, un perso que personne ne joue. Non, mais tu donnes un indice là. Combien de Aramus? Non, mais c'est. Ah. Mais autre chose. Mets un truc simple. Mets un truc simple. Ok, je vais revoir sur le chat. Ok, ça c'est bien ça. Allez, faut être réactif là. Ok. C'est parti. Ok, donc là maintenant il y a un spectateur qui va te rejoindre. La partie no pain no gain, le mot de passe c'est n'importe quel champion. Il n'y a pas de majuscule, hein. C'est tout en minuscule. Ça peut être n'importe quel champion. C'est un CA, Zach. Oui. Okay, bah, du coup, ouais, il vient de dire le mot de passe. Inverse. Oh, pardon. C'est pas grave. Alors, comment ça va se passer? Dis, on va repartir en scène plateau. Comme ça, il pourra pas voir ton champion, hein, donc il pourra pas anticiper ton pire. Est-ce que tu sais ce que tu as envie de jouer, toi? Est-ce que tu as des idées? Le dis pas, hein, parce que le but c'est quand même qu'il y ait l'effet de surprise. Donc, est-ce que tu sais ce que tu veux jouer? Comment tu réfléchis, comment tu vois ce 1v1? Moi, il faut du 1v1, moi j'ai. Oh, c'est parti apparemment. Ah, on est tombé sur un mec. Oh, il est bronze. Ne sous-estime pas. Starlab qui va partir au Hello! Un frère à toi! Ah, lui aussi connaît le Hello! Et pas le jeu humain. Allez, c'est parti, tu lances. Ok, c'est parti. Alors là, le but, hein, je vous rappelle les règles, va falloir aller en bot lane. Ah bon? Oui, en bot lane, donc le champion que tu prends, bah réfléchis bien, ça va être en bot lane. Le premier arrivé à 80 creeps, il remporte un point. Ah. Le premier qui tue l'adversaire, il remporte un point. Le premier qui casse une tourelle, il remporte un point. Et donc voilà, le but c'est de marquer le premier point tranquillement. Dès que t'as un point, t'as gagné. Donc là, ouais, la tourelle, le kill ou les 80 creeps. Ok. Ça va pas plus loin que ça. Réfléchis bien, champion, je ne veux pas du tout intervenir. Je veux vraiment que tu fasses tes propres choix et je veux après que tu nous les expliques. je vois. Il est en train de réfléchir au niveau de la sélection de champion. Il y a plein de possibilités. Et quoi gagner? Bah là, c'est au contraire, on te fait l'honneur de t'entraîner gratuitement. Donc ah, rien à gagner. Un cadeau pour le gagnant. Ah, oh, je vais prendre ça. Préparez-vous à l'abordage. Combien de sous-titres cramés? Ça va, bon, c'était un fake, hein. Prenons d'autres. Non. Ah, je prends ça plutôt. Je crois qu'on s'est fait cramer. Non, t'inquiète, c'est pas mal. Hashtag les bons sons de League of Legends. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ils ont entendu, t'inquiète pas. Non, mais c'était la bait, parce que maintenant t'as enlevé le son et t'as changé ton champion. Bien joué. Très malin. Très malin ce coup de bait. Ouais, mais t'as changé là, t'as pas pris le même. Ah, d'accord, ok. C'est pas bien ça comme perso? Bah si, le soin que t'avais pris tout à l'heure là, avec l'abordage, j'étais pas si mal aussi. Oh, j'ai pas de skin. Ah mais c'est vrai, je me suis fait ban, j'avais tous les skins avant.
Parce que à la saison 1, avec ce, parce qu'ils ont tous compris évidemment, à la saison 1, avec mon gangplank, c'est comment on l'appelait ? Ouais. On l'appelait la terreur du ladder. Ah ouais ? Ou le corsaire des sept failles. Sérieux ? Ouais. D'accord. On appelait le barbe rose de League of Legends, on l'appelait. Intéressant. La terreur du ladder. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi gangplank ? Oh, je vois bien. Il faut qu'on fasse une émission. Est-ce que je peux prendre des crédits sur la TV League of Legends ? Pourquoi gangplank ? J'aurais une émission, ça s'appellerait le corsaire de la faille. Et tu jouerais que gangplank ? Ah non, je jouerais que gangplank en fait dedans. C'est pas le seul hein, qui est délire marin, je crois, dans League of Legends. Ouais, mais c'est un corsaire, n'est-ce pas ? C'est un corsaire. Oui. C'est un pirate. Quoi. C'est comme le Capitaine Kidd, n'est-ce pas ? Oh, bien sûr. Qu'on connaît. Très célèbre. Qui était au bord de... du Black Pearl. Du Black Pearl. Non, pas du tout. Ah merde, non, tu me bait. Du coup, pourquoi gangplank ? Est-ce que c'est un choix affectif, tactique ? Pourquoi ? Parce qu'il a un revolver. Donc c'est juste ça ? Okay. Non mais je juge ton intelligence de jeu en fait okay. Là-dessus. Alors pourquoi il est Flash et Ignite ? Est-ce que c'est parce que tu prends tout le temps ça ? Ouais. Donc là c'est vraiment une question d'habitude ? Ah ouais, parce que le reste, il y a que ça qui est viable. Et est-ce que tu penses que c'est ce qui est plus efficace en 1v1 ? Bah, eh oui, tu connaissais le format. Bah, hein, le Flash c'est bien. En 1v1 ? Bah, c'est du pur trade, du contrôle de lane. Hein, bah, ça permet le Flash quoi, le Flash. Ça n'apporte rien en soi. Parce que si tu meurs, t'as perdu. Ouais, mais c'est pareil de pas mourir le Flash. Ah ouais, mais si tu meurs pas, t'as perdu aussi. Ouais, mais ouais, dire si, que t'es si pas bien. Si je le fais gang par le golem. Ou par le crapaud. S'il passe par la lane. Après, tu peux essayer, si tu gagnes le trade, un Flash Q pour terminer. On verra. Alors, avant de faire pas de mon compte, j'avais des runes crit en fait. Ah, c'est pas mal sur gangplank. Ah bah ouais, j'avais 25% de crit quand je commençais. Très ballsy, hein. Oh là là. Après, il y a vraiment. Elle est morte, elle est morte. Ouais, c'est pas mal, laisse la fâcher. Ouais, c'est malin ça. Tu spell. Ouais, bien joué, t'as bien optimisé tes dégâts. Ouais, très très bien. Dernier. Oh, je croyais que t'allais ignite auto-attaque. Elle a quoi ? Elle a une barrière par contre, hein. Je crois que t'as bien fait. Ouais, j'ai bien payé du coup. Prends les informations barrière et quoi ? Téléportation. Tu devrais faire un back. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais c'était bien joué ça, hein, coach. Ton rythme entre les auto-attaques, le Q, etc., ça se voit que t'as une bonne maîtrise du champion. T'as pas perdu un créneau de dégâts. En fait. Là, t'as vraiment fait le maximum de dégâts. Hashtag le corsaire de la faille. Oui. Montre-nous de quoi tu es capable avec. Je suis un vrai corsaire. Rune maîtrise, t'es en classique, hein, full agressif, je pense. Ah, je reste avec les runes AP. Non. Ah non, j'ai changé. Après, c'est allez, bien la paix. Concentre-toi, je veux vraiment que tu joues à ton meilleur niveau. Ça permet de plus te soigner. Bon, ouais, le ratio est faible. Allez, c'est pour l'ulti. C'est fort. Je pense pas que ça ira jusqu'au level 6. Par tous les diables. Bon, je pense que ça se finira avant. Donc il faut que je tue ou que je. Enfin, okay. Ok. Ah, parce que l'AP sur Gangplank c'est vraiment pas ouf. Hein. Après, c'est un bronze donc il doit être nul à chier. Parce que c'est ratio de 0-2 hein, sur l'ultimate, mais il y a quand même un ratio de 1 c'est vrai que sur le Z. On a jamais vu un bronze qui savait jouer. Donc là, c'est quoi ton objectif ? Tu vas mettre full Q spell sur l'adversaire, bien sûr. Tu peux pas qu'il y a une barrière. Hein. Tu peux essayer de bait la barrière. Le moindre summoner en 1v1 est extrêmement important. Je vais essayer de rentabiliser le flash au mur, c'est un flash pour qui ? Tu peux essayer au même flash pour forcer une barrière, c'est fait un summoner pour un summoner, mais bon. Surtout que ça peux chose, le faire stresser aussi. Et après tu peux snowball vu que ta lane peut freeze. Même si... Inaï, bah je crois qu'il est mort, t'as gagné. La victoire revient à toi. C'est bien ça. Allez, tu t'es du lâcher. Calme-toi, pourquoi t'as besoin comme ça de te mettre en avant comme ça? Ça te suffit pas, il te dit GG, il est fair play et toi tu l'attaques comme ça. Easy, alors là, no match. Il est parti avant de mourir par là, no match total. Alors là, no match, je veux jouer contre un diamant. On va